Oh là là, Justin Machine, nous sommes de retour pour jouer en mauvais tour sur Evoland. Bon, j'ai décidé de continuer, même si je sens qu'on va re-être en bloqué encore une fois. En fait, j'ai tellement essayé de trouver une solution que j'ai finalement trouvé une solution. Mais depuis, bah, je suis bloqué. Parce que bah, vous allez voir, là je vais lancer la partie. Et en fait, ça lance directement l'événement. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il fallait que j'aille... à la grande ville, que je prenne la maison tout à gauche et que je rentre dedans. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, ça lance directement l'événement. Tous les préparatifs sont terminés? Oui. Bien. Par contre, je me rappelle même pas un moment où on nous a montré cette maison-là. Notre objectif est clair. Nous devons tout faire exploser. Ouais. Alors, tous à vos postes. L'opération catastrophe est lancée. À vos ordres, prophète. Ils sont en train de jouer, hein. C'est pas le vrai catastrophe. Ni 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 ni. Qu'est-ce que tu prépares? Qui es-tu? Tu crois pouvoir déjouer les plans du prophète? Ni 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 ni. En tout cas, elle joue bien le prophète, hein, parce que c'était bien le même rire. Ah, mais où est passée ma clé? Zut alors! J'ai encore dû la perdre quand je jouais dans la mine à l'ouest. Bon, on va aller à la mine. Alors, je vais y arriver. Hein. Je me fais bloquer, mais... Moi, je suis une fille de marchand. Et plus tard, je négocierai comme mon père. Quoi, ma clé? Oui, elle est à vendre, mais je pense pas que tu puisses te l'offrir. C'est une clé super rare, tu sais. Bon, si tu insistes, je te fais un prix d'ami. Tu es prêt? Elle est à toi pour 10 gold. Ok. Quoi, vraiment? Tu vas m'acheter ma clé pour 10 gold? Ouais, super! Je suis riche! Tiens, voilà pour toi! Bon, alors on a une aux mines à gauche. Là, on vient juste de recevoir une. Tora, je veux te dire où est cachée ma clé? Ah, si t'étais facteur, t'aurais une chance, mais là, t'en as aucune. Alors, la clé des enfants. Alors, toi. Quoi, t'es au courant par la catastrophe? Dis rien à mes parents, sinon ils vont me punir. Tu me promets de rien dire, hein? T'es cool, tiens, je te prête ma clé. Elles ont rien compris. Hein. Par contre, aucune idée de combien de clés il faut. J'espère qu'il n'y a personne dans les maisons. Jouer avec ma clé et un gars m'a attrapé. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir des clés. Il a confisqué, je suis certain qu'il a planqué dans un de ses coffres qu'ils ont au pied du lit. Ben, au moins, moi, je sais où c'est. Enfin, j'espère. Bah, voilà. On va partir sur le principe qu'il n'y a personne dans les maisons. Bon, alors peut-être juste dans le jeu de cartes. D'ailleurs, les jeux de cartes que j'ai normalement fini. Enfin, de ce que j'avais à disposition. Parce que
si je vais dans les cartes à jouer, alors j'ai reçu démon pirate, rocher de Mayenne et programmeur art. Alors du coup on va aller à la mine. Je sais toujours pas pourquoi il s'est fait chier à aller à la mine. Sale gosse. Ouais. Et il est où ta clé? Bon bah... Ça vous dit qu'on soit bloqué, encore une fois? Bah, y'a rien. Y'a rien de rien. Ah! Non! Je crois l'avoir déjà récupéré en fait. Ça m'étonnerait pas. Tellement que le jeu est bien construit. Non, je crois que je l'avais eu à l'avance. Je sais pas. Bah en fait, non, c'est juste en fouillant en fait. Mais je crois qu'on l'avait justement vu la dernière fois. Mais du coup, pourquoi il m'a mis le texte? Ah, ma clé! Quoi? Mais tu as les 5 clés? Waouh, t'es vraiment super fort! Je te laisse passer alors, le prophète va te recevoir. Ah bah c'est ça, je l'avais déjà en fait. Allez, allez vous faire en fait. Je vois pas, mais vas-y. On va faire comme si... comme si on a vu que ce qui s'était débloqué. Ah bah, ça l'a pas cassé. Ok, bon, c'était juste la gamine, en fait. Mais tu as fini de me suivre, oui? Bah toi t'as fini de t'échapper en fait? Et tu es qui toi pour venir tout casser dans notre base secrète? Et toi te cacher dans tes peaux en fait? Tu ne pourras pas empêcher la catastrophe de toute façon. Tu n'arriveras jamais jusqu'ici. Alors, excusez-moi, il y a une mouche qui est en train de m'emmerder pendant que je réfléchis.
D'accord. Je réfléchis, hein. Normalement, là, on est bon. Ah, je l'ai dit, il y a une mouche qui m'emmerde. Moi, je vais faire un meurtre ce soir. Bon, maintenant que ça s'est bien rempli, on va pouvoir casser. Yeah! Bah, on va geler l'eau. Ça va être simple. Ah, regarde ce que tu as fait! C'est toi qui as rassemblé les 5 clés! Tu as inondé notre base secrète! L'eau a tout recouvert! Bah, Osef. Et tu as détruit ma collection de pots! Alors déjà que toi, tu t'es caché dans un pot aussi? Tu es... le grand destructeur! Bah ouais. Alors c'est comme ça que tu es devenu le grand destructeur, Anti? On s'est fait du souci pour rien apparemment. Mais il faut quand même qu'on arrête le prophète. On l'a croisé dans le futur. Il est clairement fou. C'est forcément lui qui est à l'origine de la catastrophe. Ouais, non, mais c'est pas une gamine comme ça, hein. Eh, je vais pouvoir utiliser mon pouvoir. C'est exactement ce qu'elle a dit. Hey! Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens, dans notre base secrète aujourd'hui? Vous voulez empêcher la catastrophe, c'est ça? Allez, on... La catastrophe? Quelle catastrophe? Hey! Mais vous êtes un démon! Il t'a posé une question. Alors, réponds. Je... me mangez pas. Je vous dirai tout. Bah, accouche. C'était notre plan, à moi et à mes amis. Pour le 50e anniversaire, on allait faire une catastrophe. C'est leur faute aussi. Aux adultes. Ils nous ont punis. Pas de feu d'artifice, ils ont dit. Alors on s'est dit qu'on allait quand même allumer tout ça.
Et boum! C'est tout, promis. Et tu appelles ça une catastrophe? Une catastrophe, c'est quand ton peuple entier est exterminé. C'est quand tout ce qu'il te reste, c'est la rage et la volonté de te venger. Sois patient. Bon, en fait, c'était un mec. Je croyais que c'était une fille, pardon. La véritable catastrophe est pour bientôt. Celle qui vous donnera le goût de la défaite, de l'humiliation. Celle qui vengera les crimes que vous avez commis, vous autres, humains. Nous avons fini de collecter l'énergie de cet endroit? Encore un peu. Encore un tout petit peu. On va taper. Et qui sont les nouveaux, là? Alors, c'est vous qui allez créer cette catastrophe? On est là pour vous en empêcher. Ah, vraiment? Vous pensez pouvoir nous battre alors que nous sommes prêts à mourir pour notre cause? Je n'ai pas peur du danger. Grand destructeur! Sauve-moi! On va vous arrêter ici et maintenant pour protéger le futur. C'est ce que nous allons voir. Plus personne ne bouge. C'est quand encore cette merde? Mais où sont-ils? Derrière nous! Ils nous ont tendu une embuscade. Je savais qu'ils étaient dangereux. Ils ne pourront rien faire face à nous, car nous sommes les forces spéciales de l'Empire. Vous êtes en état d'arrestation? Merci pour votre aide. Non, en fait, je crois qu'ils vous arrêtent. Nous. Grâce à vous, on va pouvoir arrêter ces démons. Des démons? Personne n'avait parlé de démons aussi? Non. Les suspects sont un jeune homme et deux jeunes filles. Des humains. Ce sont bien eux? Plume! Chérie! Je crois qu'il est temps qu'on tire notre révérence. Anti! Vite, il faut les arrêter! Ouais, bah, il y a trois gus qui veulent nous arrêter plutôt. Grand destructeur, je vais m'occuper des forces spéciales. Merci. Allez-y. Ah, de la plateforme. Vous nous avez suivis? Partez devant, je vais m'en charger. Fais attention à toi. Bien, amusons-nous un peu. Bah, let's go. Je vais un peu trop vite, non? J'allais beaucoup trop vite. Ouais, c'est chaud quand même, hein. What? On me montre rien? What the fuck? Mais... À l'aide! Mais il veut pas se montrer!
Bon, par contre, les bruits quand il se fait taper, c'est quand même ridicule. Mais c'est chaud! Ah, il y a un sauvegarde. Bon, j'imagine que si je reste sur la gauche, je me fais tuer par la map. Ok, bon, tu sers à rien, Velvet. Hein. Hey, il est où? Allô? Mais à l'aide! What the fuck? Il est où? Mais c'est débile! Et l'autre, il a disparu en fait. En fait, on poursuit quelqu'un, mais finalement pas. En fait, c'est de la plateforme. C'est juste un jeu de plateforme. C'est débile. Pourquoi on me propose de taper le mec alors qu'en fait il faut juste aller de point A à point B? Non mais sérieux. Bon, la référence à Megaman, c'est marrant. Mais avant ça servait à rien. Maintenant que nous avons fini l'échauffement, passons aux choses sérieuses. Merde. Désolé, Plume. Pourquoi il y a une musique triste? Vous êtes fort. Peut-être que vous pourrez l'empêcher d'accomplir cette folie. Plume et moi, nous n'avions pas la force. Aidez-le. Il est si seul. Ouais. Et il est mort. Gros nul. Ah bah pourquoi pas. Les deux autres se sont échappés. Il faut qu'on les retrouve. Ils doivent déjà être loin. Nous devons les trouver si nous voulons empêcher cette catastrophe. J'ai encore du mal à le croire. Si ce que vous m'avez raconté est vrai,
Qu'est-ce qui a bien pu causer une telle explosion? Il faudrait une immense quantité d'énergie. Je ne sais pas. Tu as une idée, Anti? Non. C'est un mystère. Nous ne trouverons probablement aucun indice à Genova. Mieux vaut chercher ailleurs. Ok, bon, Genova, c'est rayé de la liste. Hein. Genova, c'est fini. Genova, c'est fini. On se casse. C'est par là. Non, c'était bien à droite en fait. Allez, à plus. On va réessayer la grotte. Ah, bah là, il y a un garde à terre. Ah, là, il y a du nouveau. Par contre, c'est bizarre que... Les gardes sont à terre, mais ils continuent à travailler. C'est des esclaves que quand leur maître meurt, bah ils veulent continuer à être esclaves. C'est pas logique. Es-tu vraiment certain de vouloir faire ça? Tu as vu ce qu'ils sont devenus? Les démons sont la race suprême. Comment peuvent-ils se considérer comme des esclaves au service des humains? Ils ne méritent pas de continuer à vivre. Bien. Je ferai ce que tu veux. Je pense qu'en plaçant bien ces bombes, je dois pouvoir faire effondrer la mine. Et comme ça, tuer les autres démons, en fait. Ils vont tous mourir. C'est bien ce que tu souhaites? Ce ne sont plus des démons. Ah, d'accord. C'est plus des démons, en fait. C'est plus des démons. On va assassiner nos siens. Voilà, c'est simple, en fait. Il semblerait que nous ayons de la visite. Laisse-moi m'occuper d'eux. Comme tu voudras. Si vous êtes ici, c'est que... ma soeur chérie... Vous allez me le payer. Ah bah c'est... Bomberman. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Waouh, c'était génial! Mais qui es-tu? Tu n'es pas un de ces faibles humains? Pas question que je meure ici. Je dois encore aider mon prince à assouvir sa vengeance. Nous nous reverrons, certainement. Oh! Une échelle qui est apparue comme ça? Vous avez obtenu les bombes. Il ne vaut plus qu'un boomerang pour avoir le costume complet de l'aventurier.
Et du coup, on est dans la mine. Ah, mais du coup, ouais, ok. Ok, bah on joue à Bomberman. Bah écoute, on va s'amuser. Et on tue une souris au passage. Ah merde. Ah mais non, faut que j'aille au bout. Oh, mais pour une gelée de merde. Bon, en même temps, je m'attendais à quoi? Ok, bah ça va. Ah, creeper. Oh man. Bon, bah, référence à Minecraft, hein. Bon, pardon, je parle pas beaucoup, hein, mais... en fait, le jeu me fatigue. Mentalement. Putain, mais j'avoue, en fait, ça faisait super longtemps que j'ai pas parlé. Oh là là, le professionnalisme. Oh là là. Bon, en même temps, vous avez pas vu le bordel que c'est, là, à l'intérieur? Trip. Ah bah tout ça pour une étoile. Ah non, juste de la gelée verte. Ah!
Non. Je pensais mettre ça pour boucher les trous, mais non, c'est pas ça. Hein. Non, en fait, faut juste se casser. Oh, on va s'amuser ici. Faudrait l'amener ici, je pense. Mais comment? Ah, ou bien comme ça. Voilà, comme ça, là, on est bien. Ah, ouais, comme ça. C'est gagné. Creeper. Alors c'est pas vraiment un endroit pour XP, hein. Ça je peux vous le dire. Bah j'ai esquivé, non? J'avais pas esquivé? Bah voilà. Et du coup, avec tout ça, faut faire péter quoi? Bah, ça. Attention, ça va exploser! C'est le bordel.
Ouais, c'est le bordel. Ah, mais il y a un rail. Rail manquant. Chouette, vous allez pouvoir continuer cette paisible balade dans votre joli wagon. Et du coup, il y avait juste ça. Ah, ok, il y avait juste ça. Du coup, ça, il menait à... on sait pas. Ah, ça va exploser. Ah, je pensais que ça marcherait. Mais j'ai pas le temps. Parce que ça aussi, ça explose. Non. J'essaie quand même de voir s'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Quoi? Il y avait un problème là, non? J'étais collé au machin. J'étais collé au machin. Ouais, bah je prends. Non, mais je prends. Non, mais je vais pas me plaindre. Ça, on l'avait pas fait? Ah non. Et du coup, il est où le rail? Ou bien faut tuer tous les ennemis. Pourquoi il survit? Let's go! J'ai un HP! Logiquement, on a tout là? Bah, let's go.
Multibombe, quoi de mieux qu'une bombe? Plusieurs bombes. Ah d'accord. Ah d'accord. Lux paye. Bon bah j'ai rien dit, c'est un bon endroit pour XP. Ah non, un bon endroit. Bon, par contre, j'ai un HP, hein. Ça valait le coup. C'est cadeau ça, je reconnais ça. Ah, c'est le boss. Ah, je voulais esquiver le boss, mais... Allez, vas-y, on se le tape. Ainsi, vous m'avez suivi jusqu'ici. Que croyez-vous pouvoir faire? Et vous, que cherchez-vous à faire exactement? Ah, vous me prenez pour qui? Vous croyez que je vais faire comme ces méchants qui racontent tous leurs plans aux héros? En fait, vous n'avez pas de plan, c'est ça? Si, nous avons un plan! Mais pas question que je vous le raconte! Dans ce genre de cas, le héros en apprend toujours assez pour contrecarrer le méchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anti, mais à mon avis, elle bluffe. Ah, c'est encore une fille. En fait, ils n'ont pas de plan. C'est aussi mon avis. Mais puisque je vous dis que nous avons un plan! Bon, alors, je vous en dévoile juste un petit bout. Nous vous écoutons. Et tâchez d'être convaincante, sinon nous considérons que vous n'avez pas de plan. Je vais faire de mon mieux. Alors, notre plan, c'est d'amasser assez d'énergie magique. De cette façon, nous pourrons entrer dans le laboratoire du professeur Giraud. Le professeur Giraud? Celui qui a vécu à l'époque de l'Empereur? Celui qui aurait redécouvert des secrets magie et construit une arme d'une puissance phénoménale? Vous en savez déjà trop. Beaucoup trop. Pas question que je vous en dise plus. Je vais plutôt vous faire taire. Apparemment, ils ont bien un plan. Et ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Mais ce sont mes bombes. Je me demandais justement où je les avais laissées. Rends-les-moi. Non. Tu crois vraiment avoir le choix? Bah en fait c'était marrant avec les bombes. Parce que là ça devient chiant en fait.
Non, ça devient vraiment chiant. Ça devient nul. Le combat devient nul. Bon, ok, il m'a juste tapé du pied, c'est tout. Ah, c'est marrant. Bon, skip le combat, on connaît. Allô, le jeu? Le jeu? Le jeu? On va s'arrêter là, avant que je pète un câble. Je vais vous dire à la prochaine. À ciao ciao.